Tata ba mama bande yo na biso ba congolais nazaki olo bana moko ya swahili problème tozana ngona Kampala tozaki na cimetière na biso biso ba congolais esika ba bande okunda biso me place esili boye ba bande okunda to ba bande me mabiso musika pe place ango eza exactité donc de yango tozui vision ke biso oyo ba congolais toza awa de congolais chrétiens nde tozui vision mais tonungi to kabola vision na congolais nyonso na Uganda pe bao bazali banda ataso toza na libanda so okufi oza na droit quand même ya kundamana na honneur nde to sensibiliser bino tolingi to somba mabele po problème ya Uganda bazaka na cimetière public te awa so moto akufi bakundaka na village na ye soko biso ba étranger awa toza na village te. Donc, par exemple, ça va bébé na biso na Congo te nde yango po ba moye pesate nde yango to ye na vision que il faut to somba mabele quelques hectares auto bando kunda ba congolais na kati. Bien évidemment, premièrement, on voulait que cimetière yango ezala la chrétien, mais so zaka congolais to kunda on a cimetière yango siko to zana posa ya contribution na moto na moto ezala la diaspora. Est à la communauté des réfugiés, est à l'ambassade, est à la même notre gouvernement, est à la bazar du banda. C'est un cri d'alarme auto-lancé. Potozoa cimetière Yango. C'est un projet que la communauté chrétienne congolaise vient d'avoir ici en Ouganda et nous voulons que to singike batonyo soba s'investir nakati. Boye ezana na niveau ya communauté chrétienne congolaise, mais très prochainement, tozo benga réunion. Oh, toko benga sabino, toko invité bino. To sengi bo répondre favorablement et positivement. Bo ya mingi na réunion ango, tango toko invité bino. À toute la communauté chrétienne congolaise en Canada, mais aussi à tous les Congolais, à propos de ce problème que nous sommes en train de vivre ici maintenant, à propos de comment enterrer nos morts. Voyez, on ne peut pas inviter la mort. Bien sûr que nous attendons d'aller, de revenir soit au Congo, soit peut-être d'aller en Europe, mais la mort n'attend pas. C'est ce que nous avons entendu beaucoup déjà ici. Mais le problème est que notre cimetière, où nous étions en train d'enterrer, n'est plus. Le cimetière que le Frédéric Mobutu nous avait acheté n'est plus. Alors, nous n'avons pas à nous attarder sur où cela est parti, ce n'est pas notre rôle. L'Église, je le disais, a toujours été initiatrice de grands projets. Si vous voyez le développement dans le monde, les universités ont été créées par les églises. Mais l'église qui est ici. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, l'église, la communauté chrétienne congolaise en Ouganda vient avec cette idée, cette initiative noble qui va aider tous les Congolais. C'est-à-dire, nous voulons un grand cimetière pour tous les Congolais, mais c'est sur l'initiative de la communauté chrétienne congolaise. Alors, nous allons mobiliser, nous commençons déjà à nous mobiliser. Nous allons mobiliser toutes nos églises. Pour votre information, les 90% des Congolais qui sont ici, à Kanuganda, sont dans nos églises. Voilà pourquoi nous sommes déterminés à rassembler les fonds pour cela. Et nous avons même appel, nous faisons déjà appel par la présence, nous faisons déjà appel à tous nos frères, même qui sont en extérieur, vraiment aidez-nous à ce que vos frères qui sont ici à Diaspora, qui sont ici à Uganda, puissent recevoir un bon lieu de sépulture. Parce que vraiment, c'est bien d'être enterré dignement. C'est pourquoi vraiment, l'idée est lancée. Très prochainement, comme l'a dit le président, nous allons convoquer une grande réunion où nous allons nous asseoir ensemble. Comme l'a dit aussi le président du conseil des communautés des réfugiés congolais ici en Ouganda. En tout cas, nous allons convoquer, sous le patronage de la communauté chrétienne congolaise en Ouganda, nous allons convoquer une réunion où nous allons ensemble voir comment faire, comment aboutir ces projets. Parce que nous avons besoin de plusieurs hectares.
Merci quand même pour 5 états. Et nous espérons que l'initiative vient de l'Église, mais aussi nous sommes certains que notre gouvernement ne manquera pas de nous aider, même notre ambassade ne manquera pas de nous aider, et même la diaspora congolaise ici à Lokata, et même la communauté de réfugiés ne manquera pas de nous associer les mains afin que nous puissions ensemble, pour l'intérêt de tous les Congolais, avoir ce lieu de sépulture. Nous disons que c'est un lieu de sépulture chrétienne, mais c'est pour tout le monde, même si tu es chrétien, si tu es congolais, si tu es musulman, tu es bouddhiste, tu aurais une place là-bas. Mais il y aura une place de choix, bien sûr, pour les serviteurs. Il y aura un endroit à part pour les serviteurs, parce que c'est le droit chrétien. Mais il n'y a pas de discrimination. Tous les mondes, tout Congolais pourrait être enterré dans ce cimetière. Et tu n'as pas de sana kwa hii kikao. Na hii kikao ambacho kilikuwa initié na président wa CCCU. Tangu zamani hii mafikiri ilikuwa sababu tulikuwa na cimetière yetu ambayo iliuziwa na gouvernement wakati ya Mobutu, na hiyo cimetière ilikuwa ni ya kuzika wakongomani peke yake, na ilikuwa hapa Zambia, na hiyo cimetière ilifika wakati moja hatukujua iliuzishiwa namna gani. Na wakati wakongomani waliendelea kufa, wanakufa kiolela hapa, na tulijiuliza wataendelea kufa na kuzikiwa wapi. Tulikuwa tunazika watu wetu Lusazi, Lusazi walifunga, hakuna tena kuzika Lusazi. Inakuwa sasa ni kujiuliza tuzike watu wetu wapi, na ku communauté congolaise ya barefugie ambayo inasimamia warefugie wote hapa Uganda, tunakufisha watu hata kwa juma zaidi ya watu 5, 6 hata 10 kwa juma. Na tunajiuliza sasa tuzike watu wapi? Unajiuliza sasa maiti ni ibebe wapi kukichwa? Ile narudia mzigo ya kanisa, inarudia mzigo ya komunote, inarudia mzigo ya familia. Na mpaka sasa shida inakuwa mingi. Komunote inateseka sana, na wakati hii mawazo imefika, leo tumejikuta watu wanaenda huko ngambo ya Bukasa, huko na Mbole. Watu naweza ukazike mtu sai na labuda imbwa zinaweza kumfue jioni. Inakuwa shida. Ukienda Entebbe lazima ukuwe na pesa kabisa ya kuvimba kusudi uzike mtu Entebbe. Lakini tumeona kitu moja ni kutumika kwa kuungana. Tunajiunga pamoja, communauté chrétienne, communauté de réfugiés congolais, diaspora. Tumesema mkongomani lazima akujue kama iko umoja. Na kama tutakuwa umoja, hatutachunga kila kitu kama vile kwetu kwa inchi, banachunga gouvernement paka ifanye. Lazima sisi wenyewe tujue kwamba tuko ba responsable ba sisi wenyewe, sisi peke. Tujianzie yako initiative zetu. Sisi tulisema hatutachunga kama turudie kwa inchi, sababu batu yote habatarudia kwa inchi, batu yote hawataenda Ulaya, kuna wengine watazikiwa hapa. Sasa a partir de nos propres moyens, a partir de cette initiative, nous nous sommes décidés que tunapashwa angalia namna tuze shamba ambako tunaweza zika watu wetu. Hatutachunga mpaka inchi tufanyizie. Sisi wenyewe tutaanza kazi, na ninaamini kufuatana na kuungana kwetu, umoja yetu, tutafikia hiyo kitu, na tunaomba ifanyike kwa haraka iwezekanavyo. Nadhani tutakutana na sisi sote viongozi wa refugee, viongozi wa kanisa, mkubwa bishop iko hapa, na diaspora tutakutanana na ndugu zetu mko Ulaya. Mulienda lakini mliacha ndugu zenu hapa. Uko Ulaya utazikiwa huko, lakini ndugu yako akifariki tutamzika wapi? Fanya yote iwezekanavyo kama mkongomani patriot ambaye kesho anaweza badilisha inchi ambayo ilishakuwa viole sana, ambayo watu wananyanyasa sana. Ninyi ndio mtasaidia hata gouvernement ya mupi ambayo iko saizi, ninyi mtaisaidia. Lakini tuanze kwanza change mentalite yetu, tusichunge kama paka yote watufanyizi. La musizebe ne wifu akongomani balamire hano Uganda. Horo li hano mwe bino bijingo
kujirwa shamba lenya nyerye biziburu gwere okubona hali ya ruwa kakabisha bene wifu bakongomani wali ya bafire mirabaha guzagia na handi intafu sasa ruwa madera gantia kudesire kunahunyire bene wifu boshi bakongomani bare fije na barali bare fije bali ya bali hano Uganda kumuhunyire mweshi mtuti yebe haguma mukayumva ruhamagala mukayumva ba president ba ruhamagala enyanya ryo kuja haguma kulonze rwagula ahandu rwakabisha bene wifu ishua riru rya bakongomani buli abandi bo shibagwe rya gabo mashua abarundi bagira haba bishua abahindi bagira haba bishua na bene hano banaka abaheke mwabo omucharo chabwe munda baburua ni rungahi girwaja arali rweshi rwaje bulaya na chirukwa kaba rwaje bulaya olufu holuli na lukaishene ngeru akubisha zaidi kula sirio kubona abakozi ba nyamuzinda bagire babishwa kubi hari hababa bisha origani akabwa kana muheka chojirumire rudesire na ru lansize okuderu kwa bandu boshi barumve abali hano Uganda abajire bulaya e gouvernement iri ye Congo e ambassade ne diaspora mweshi murugwase ruje haguma ahamumva mwahamagalwa kwagama wazo president inosadwire ndio koruba hunyire bene wirumuyumve hoshi muri muyumve na ruchi hebe haguma mungu amugishe ne bijingo bibe binja.